Je voudrais évidemment rappeler que les industries techniques sont un des quatre piliers fondamentaux de notre diversité, de notre exception culturelle. On a d'abord le premier pilier qui est évidemment le pilier des talents, la création, les auteurs, les réalisateurs, les artistes interprètes. Un deuxième pilier qui est celui de la production. Un troisième pilier qui est celui de l'exposition des œuvres à travers les distributeurs, les exploitants, les diffuseurs. Et puis le quatrième pilier qui est formé non seulement des industries techniques, mais aussi, pour ce qui nous concerne, des 30 000 techniciens intermittents avec lesquels nous travaillons. Et j'insiste pour terminer là-dessus, nous avons devant nous un marché avec des perspectives qui sont réelles, le besoin en images est intact, le cinéma français, par la force de ses racines, existera demain. Il faudra probablement qu'on accompagne certaines modifications, certaines restructurations, etc. L'audiovisuel existera demain. Le besoin de nouveaux programmes va faire naître de nouveaux moyens et de nouvelles générations de producteurs, de techniciens, etc. Et tout ceci est palpitant. Il faut simplement qu'on s'y prépare. Il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on accepte aussi de se remettre en question, mais sans abandonner les valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire de défendre absolument ce tandem industrie technique et techniciens de production.